Bonjour tout le monde, c'est Redjay, bienvenue pour l'épisode 43 de Breath of the Wild. Et on s'est arrêté juste avant la forêt des Korogu. Trop mignon! Et pourquoi ils s'enfuient? Non mais, ils sont vraiment en train de s'enfuir en plus. Mais restez... Oh! Non! 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 D'accord, bon bah désolé d'avoir fait une pause de une semaine juste avant un événement genre super important comme... Bah, la Master Sword. Non, mais attends. Eh, attends. Oui, attendez. D'accord, non, c'est juste un Korogu un peu particulier, mais lui, il s'enfuit pas. Je peux vraiment la retirer? Non. J'ai explosé. Link. Le reste dépend de... Alors, et autant pour moi, c'est un souvenir. Notre dernier espoir. Le seul qu'il nous reste. Oh. Je t'en prie. D'accord. D'accord, Zelda. Wow! Ah, non! On est passé... J'ai dû m'assoupir un moment. Oh, cool la voix. C'est toi, alors? Alors, te voilà enfin de retour. Non, sympa la voix. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue. J'aurais imaginé peut-être quelque chose d'un peu plus grave pour l'arbre Mojo, mais... Je commençais à trouver... Franchement, non, sympa le doublage. Tu ne te souviens pas de moi. Mais si, on se souvient de toi. Bon, alors... Par contre, du coup, t'es le même ou pas le même vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps... Que Ocarina of Time, autant pour moi, je finis quand même ma phrase. L'arbre Mojo... Puisqu'encore une fois, on n'a aucune idée de la timeline et compagnie. Par la déesse des temps anciens. Ok. La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'époque... Oh, c'est vrai que bon, je me moque un petit peu des explications. Après, c'est le premier jeu que tu fais, pour... enfin, le premier Zelda que tu fais, autant pour moi. C'est vrai que ça paraît pas très logique, voire pas du tout logique finalement. Si c'est vraiment le premier Zelda que tu fais, c'est aucune logique dans ce qui se passe. C'est... Qu'est-ce que c'est? L'épée. Mais ne se laissera pas revendiquer sans une... Bon, attends, c'est mon épée, j'ai le droit de la récupérer, non? En plus, c'est vrai, hein, dans les souvenirs, j'avais cette épée. En soi, elle est à moi. Si tu es toujours digne. Ok, voilà. J'étais content de voir l'arbre Mojo, mais apparemment. Oh, c'est trop mignon. Pas retrouver toute force, tu lui laisseras la vie. Ah, c'est trop mignon. De son socle. D'accord. Bon, je peux pas trop faire les étonner puisque en soi je sais un petit peu ce qu'il y a autour de la Master Sword et comment entre guillemets l'enlever. Voilà, hein, spoiler alerte, je me suis fait spoiler. Donc si tu veux arracher cette épée de la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. Ah oh, ça fait partie d'une des quêtes en plus, d'accord. Et non, on n'est pas passé en dessous, t'étais juste en face. Ah, donc c'est toi l'énorme cerisier en fleurs qu'on voit au loin. Enfin, j'ai l'impression. C'est dur à dire, en fait. T'as des feuilles bizarres, bref. Ah, c'est... Il est en fleurs ou c'est des feuilles bizarres? Bref, tu es très joli comme ça, Arbre Mojo, et content de te voir, même si tu crois plus en moi. Ah oui, d'accord, ok. Oh, attendez. Ah, oh, mais en plus, la force te fait toujours défaut. Il semble que tu aies déjà suffisamment prouvé ta valeur. Ok. Offre des emblèmes du triomphe à la statue de la déesse. Ok. Ah, il me rend quand même mes cœurs. Par contre, j'aimerais bien sauvegarder, faire un essai. Voir ce qui se passe, si vraiment je tiens jusqu'au bout. Parce que là, je sais que j'ai pas assez de cœurs, en fait. Je connais le nombre de cœurs adéquat. Je sais pas si je suis supposé vous le dire ou pas. Assez. Ah oui, d'accord. Si tu n'avais pas lâché prise, tu aurais déjà... Enfin, tu aurais péri, mon garçon. Je n'interviendrai plus à l'avenir. Oh non!
Ah mince. Bon, pour ceux qui ont envie de se garder la surprise, je ne dirai rien. Et pour ceux qui veulent savoir, je le mettrai vraiment tout au fond de la barre d'infos. J'essaierai de faire quelque chose genre très loin pour que personne ne puisse le voir sans faire exprès. Enfin bref. En soi, est-ce que... Attendez, je compte, hein. J'ai combien de cœurs? J'en ai 9, c'est ça, si je compte bien. Ouais, 9. Ouais, ah, quoique. Il y a peut-être moyen que je puisse la récupérer à la fin de l'épisode. Donc en fait, vous allez vous faire spoil le comment la récupérer. Tout ce qu'il me faudrait en fait, d'ailleurs, je sais même pas combien d'emblèmes du triomphe j'ai. Eh, en plus, tout ce qu'il me faut, c'est un sanctuaire, juste pour avoir un moyen facile de téléportation. Donc, peut-être la Master Sword à la fin de l'épisode, de manière, plus je fais des promesses et moins je les tiens. J'ai envie de danser. Non, une noix. Petite noisette, comment on se retrouve? Tu ne dis rien? C'est moi, Noya. Alors, ok. Par contre, je pense pas que j'ai énormément de noix. Ah, si, quand même. 19? 19 noix? J'ai l'impression... non, mais je suis étonné, mais c'est vrai que j'ai tellement pas l'impression d'en trouver que... Ok. Eh bien, soit, merci. Encore, de toute façon, j'agrandis que les armes tout le temps. Hein? Ok, et ça, c'est normalement son dernier spot. Après, ici, il bougera plus nulle part. Je vais garder quand même mes noix. Parce que j'aime vraiment agrandir mes armes. On verra le reste plus tard. Donc, il bougera plus à partir de là. Il y a Astora ici. Il y avait toi qui m'intriguais un petit peu. Oh, ah, mais il y a vraiment un truc dans l'arbre Mojo, en plus. Passe les épreuves. Ah, ah. Est-ce que je veux le faire maintenant? Bon, vas-y, explique. Non, Dune, tu es... Impossible! Le héros est parmi nous? J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. Ah oui, tu l'avais pas avant, ok. C'est donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. D'accord. Oh, héros d'Hyrule, les Korogus ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Oh, c'est très gentil. Elles sont d'une difficulté sans égale. Mais si tu les réussis, tu pourras retirer l'épée de légende comme si elle était plantée dans du beurre? Enfin, espérons, d'accord. Ah. Du coup, ça fait deux moyens de pouvoir retirer l'épée de légende. Ah. Je suis tenté, quand même. Je suis tenté. On va jouer à la prudence, quand même. Faut faire quoi? Comme tu es prudent. Tu prends le temps de réfléchir. Oui. Que sont les épreuves des Korogus? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogu. Les Korogu passent ce rite pour imiter le héros légendaire. On l'a tous passé, moi, Noya, lui, et puis lui aussi, et même le vénérable Arbre Mojo. Alors, je sais pas comment l'Arbre Mojo a fait. Non, c'est pas vrai, il ne les a pas passés. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Preuve du feu. Mais ils sont tous dans la forêt, parce que l'épreuve des fleurs, ça me dit quelque chose. Et récompense à la... Cède à ta cupidité, sois matérialiste. J'adore ce Korogu. Alors, ça te branche? Oh, oui, ça me branche, j'avoue. Donc, faut finir les sanctuaires. J'avoue que je suis tiraillé par... est-ce que... j'ai envie de faire les sanctuaires de la forêt. Les trois apparemment qui sont là. Pour après bah, retirer apparemment l'épée comme si c'était du beurre. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Comme si elle était dans du beurre, bref. Plutôt comme ça. Ou alors ma technique. Maku est sur le coup. Bienvenue. Quel grand bonheur, ami héros. Je suis Maku. Je peux t'aider pour toutes les questions sur la forêt. Pour quitter la forêt. Pour quitter la forêt. Pourquoi tu veux partir? Tu dois aller dans une autre forêt. C'est déjà tout prévu. On a tout préparé pour quand tu veux aller
depuis le socle de l'épée, à l'est, à l'est, à l'est, comme ça, jusqu'au panneau, c'est pas loin. Tu verras un arbre fantôme. Tu arrives à l'entrée de la forêt. Ah, ok. Ok. Et moi, je veux surtout un sanctuaire pour me téléporter. Brille, brille. C'est bien, je vais regarder toutes les missions du village avant de faire quelque chose. Ah, tiens, il y a la statue, d'ailleurs. Waouh, mais tu es le héros. Ouais, le héros est parmi nous. Le héros est venu dans la forêt. J'ai inventé une épreuve rien que pour toi, ami héros. Pour que tu deviennes plus fort. Tu n'as pas besoin de combattre, ni même d'avoir peur. Mais attention, il te faudra quand même être prudent. Ok, alors voilà. J'aimerais voir un Rumi. Un Rumi. D'accord. Ah, c'est un monstre, ok. Je sais comment ils appellent Rumi. Ok. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de photos. Peut-être que je l'ai, non, je l'ai pas. Où ils vivent, d'accord. Ok, bon, j'essaie de faire attention. Bon, toi, t'as rien. Je pouvais parler à quoi? Soulever. Oh, des noisettes géantes! C'est trop cool! Ah, toi, j'étais... Ah non, t'as un magasin, ok. J'allais dire, j'étais persuadé que t'avais une mission. Alors, pour les champis, c'est pas mal. une pomme. Trop cool! Des flèches. Non, des flèches, ça va, j'en ai assez. Oh, des flèches de foudre! Ah, ça, c'est cool, par contre. C'est quoi, ça? Une louche, ok, c'est pour cuisiner. C'est pour une cuisiner, je sais pas. D'ailleurs, si on peut utiliser la louche pour cuisiner. Oh! Ah, c'est pour parler à l'arbre mojo. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te fera faire usage de toute la force, ok. D'ailleurs, en parlant de force... c'est bien, hein, j'étais à côté de... Non, Link, lâche. J'étais à côté de la statue de la déesse et j'ai rien fait. Allez, viens. Oui, je veux des cœurs. Je veux des cœurs, puisque là, l'important, malheureusement, bah... Enfin, malheureusement. Pour l'instant, c'est les cœurs, donc... Allez, ça m'en fait 10, du coup. J'ai beaucoup de mal à compter, hein. Ça se trouve, c'est... Parce que ma télé, elle est loin, veuillez m'excuser. Ça se trouve, il y en a beaucoup plus ou beaucoup moins, je ne sais pas, bref. Allez. Sur quoi on va enchaîner? Makou, il est gentil. Ami héros! T'es dans l'eau? Ah non, oui, t'es dans l'eau, mais je croyais que t'étais sous l'eau, bref. Ouah! Tu ne serais pas le héros le plus grand, par le plus grand des hasards? Bienvenue dans la forêt Korogu! Tu es encore plus chevaleresque que je l'imaginais. Ami héros, j'ai envie que tu sois encore plus fort. Alors j'aimerais te soumettre à une épreuve, ok, d'accord. Merveilleux, c'est merveilleux, tout ce que tu as à faire, c'est de me montrer... Oh non, une baguette qui fait de la glace. Ok, bon bah mince. Je t'en apporterai. C'est dommage, hein, j'ai une baguette de foudre en plus, si je l'ai encore. Oui, j'ai ma baguette de foudre, si vous voulez de la foudre, j'avais de la foudre. J'ai peur de me perdre. Ouh, ce lag. Ce lag. Alors. Pourquoi d'ailleurs ça... Bon, ça lag légèrement. Pas énormément, finalement. Mais légèrement, un petit peu. Et d'ailleurs, j'avais pas repéré un sanctuaire. Là, je sais pas où je vais. Je crois que justement, je suis en train de quitter la forêt. Ah, on va jouer la prudence. On va aller au sanctuaire parce que j'ai vraiment l'impression de quitter la forêt par là. Ou alors c'est d'où je viens. Non, c'est pas d'où je viens. Je suis arrivé en face de l'arbre mojo. Je crois. Oh mon dieu, je suis déjà perdu alors que ça fait... c'est que le début, non, je suis arrivé par là, ok, autant pour moi. C'est un autre chemin. Et le sanctuaire, le fameux, a l'air d'être par là.
Bon bah on va continuer par là, soit. Ah, sanctuaire de Kyohu. Étoile en ombre. Oh non. Alors qu'est-ce que je suis supposé faire? Les étoiles seront ton guide avec ton destin. Leur nombre coïncide. S'il vous plaît. Les étoiles seront ton guide. Alors je vois des constellations en face. Il n'y a pas moyen de tricher, non? Non, bon, j'aurais essayé. Ah oui, après c'est directement la fin, ok. Ok, ok. Alors j'ai deux sphères par là. Et deux sphères par là, ok. J'ai quatre sphères. Pour 20 socles. Et j'ai plein de constellations en face. Ok. Bon, plein de constellations qui veulent pas dire grand chose. Qui veulent pas dire grand chose et j'en ai aussi au mur. Ok, je viens de comprendre. Ok. D'accord, bon, c'était plus simple que ce que je pensais. Alors, je sais pas si vous voyez sur les côtés, le nombre de torches, ça fait 1, 2, 3, 4 à 5. En fait, les figures qu'il y a sur le mur, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des figures qui étaient à plusieurs, dont une qui m'a intrigué puisqu'elle était toute seule, qui est celle-ci. En fait, c'est tout simplement, il faut compter le nombre de figures qu'il y a au mur et indiquer combien il y en a par terre, tout simplement. Donc celle-ci, puisqu'elle est unique, bah, un seul. Celle-ci, je crois que je l'ai compté deux fois. Donc deux. Il y en a un pour lequel j'ai un doute, par contre. Je crois qu'elles sont... Ah non, celle-ci est en triple aussi. Ok, celle-ci est en triple. Hop, donc là. Il manque une babale. Ok, elle est là. Et celle-ci est x5, donc là. Ok, oui, ok, pas compliqué, mais j'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Moi, j'étais là en train de me dire, oh, ok, faut faire des dessins, faut faire une étoile, ou en fait, il n'y a qu'une forme. Ouais, en fait, c'était tout simple, tout bête, fallait juste compter sur ses doigts. Tout simple. Par contre, j'ai pas mon coffre. Je veux mon coffre. Ah. Il y a un coffre, mais il est emprisonné. Ou alors il est de l'autre côté. Ok, bon. Alors je me suis bataillé pour pour les minces. Les étoiles. Et maintenant je dois me batailler pour le coffre. Attendez, je vais m'approcher quand même. Pourquoi je peux pas avoir mon coffre? Ah, est-ce qu'il y aurait une autre énigme juste ici? C'est pas bête. Bon bah on recompte alors. Bon ça va, je pensais que ça allait refermer la porte, apparemment c'est bon. Donc celui-là, il y en a 4. Celui-ci, il y en a 2. Vas-y, roule, s'il te plaît. Là, il y en a 2. Ah mince! Bon, alors, je pense que c'est lui où il y en a 2. Et lui où il y en a un. Oui, c'est ça, ok. Je pensais avoir mal compté. Non, non, c'est bon. Donc. Bon, sympa, la double énigme. Mais j'ai eu j'ai peur de me retrouver bloqué avec un coffre enfermé. Qu'est-ce que t'as à nous donner, du coup? Oui, un espadon de chevalier. Ouais, les 38, on va pas s'en plaindre. Et on récupère notre emblème de triomphe et on y go. Ouais, en plus il fait jour, ok. Bon, maintenant j'ai mon point de téléportation. Je vais pouvoir faire ce que je voulais faire depuis le début de l'épisode. Et nous voilà de retour au
Au village des Smiths, j'ai du mal. Le village des Smiths, j'allais dire le pays des Smiths. Alors, oui. Au réceptacle, pas vrai. Bah, je suis venu, oui, pour les réceptacles. Tu veux en vendre? Ah oui, il faut que je les vende, autant pour moi. Ok, c'est je les vends. Et après, je les récupère. Bah, endurance, tout simplement. Oui. Ok, du coup, grâce à lui, je vais faire passer mon endurance dans les cœurs. Histoire d'avoir assez de cœur pour la Master Sword. Et voilà, j'ai échangé toute mon endurance contre... Enfin, toute. Non, pas toute mon endurance. Il me reste un cinquième d'endurance. Contre des cœurs. Qui fait que normalement, bah, j'ai 3... Enfin, normalement, non. J'ai 13 cœurs, d'ailleurs. Ça fait bizarre de voir autant de cœurs. C'est vrai qu'on a bien bossé. Et normalement, avec 13 cœurs, on a largement assez pour défaire la Master Sword. Ah ah ah, pourquoi tant d'appréhension? Non, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Je vais refaire la technique de la sauvegarde quand même. Au cas où, mais il me semble que c'est bien 13 cœurs. Si j'ai pas de bêtises. Mais je me suis demandé si c'était 13 cœurs tout rond comme là. Ou s'il en fallait un 14e. Et ça m'a l'air pas mal. Allez! Allez! Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais! La Master Sword est à nous. Et la classe, quand même. Par contre, la question que je me pose, du coup, la question... vraiment celle qui est... Parce que je savais qu'elle était dans le jeu, mais la question que je me pose absolument, c'est... Est-ce qu'elle est, brisable ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir la briser sur un simple caillou ou je ne sais pas? Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Oh. Même si, Ouh, comme elle est vous dans le un craignez, sale son état. long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, Apparemment, j'ai oublié l'arbre mojo, c'est ses pas pas le faux. ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Irule? J'avoue qu'elle avait dit traître... Enfin, qu'il avait dit traîtresse. Traîtresse royale, Lyrule. La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes Ah oui, il est en fleurs. C'est bon, j'ai ma force. réponse. Arbre Mojo en fleurs, très joli. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons-y. Oh, Un ce message stop, de cette quoi. importance se Peut-être. doit d'être délivré en personne, ne Je crois-tu t'aime, pas? Link. Quand il l'a stoppé C'est dans son vrai. élan. Mais du coup, moi, je sais pas ce qu'elle veut me dire. J'espère que c'est un bisou. Je t'aime, Link. Alors du coup, attendre dans le socle... Oh, cool, mon outro. Attendre dans le socle, la réparer, du coup. Elle aussi, elle s'est reposée. Elle a fait un sommeil... Bah oui, finalement, elle a fait un sommeil de 100 ans aussi, c'est pas faux. Toute belle. Toujours en train de se la jouer. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est Ah oui, parce venue. que du coup on a vu le souvenir, Elle a enfin Link a vu placé le souvenir cette épée aussi. sous ma garde. Donc L'épée qui il sait combat qu'il y a un de ta main message sur le qu'on n'a champ de pas. bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Irule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Et ce jour est arrivé. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau.
Mais oui. Ah, faut pas dire que Zelda elle est morte quand même, s'il vous plaît. La Master Sword. Désolé, là, j'ai un petit problème. 30? 30? 30? 30 de dégâts, c'était tout? D'accord. Si tu brandis contre le fléau Ganon ou contre les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende, ce nimbra de lumière, c'est alors seulement qu'elle révèle. Ah, ok. Si tu la brandis sans nécessité. D'accord, donc on peut la casser. D'accord. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Ce serait dangereux d'affronter Ganon. Ok. Si tu veux t'assurer victoire, il serait plus sage. Ok, bon, ça je sais. D'accord. Bon, bah c'est pas mal. On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cet épisode. Plein de questions dans ma tête, mais je préfère qu'on y réponde au prochain épisode. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.